Sur les plans larges de Jean-Jacques Amsalem, il y a des espaces de partout sur la pelouse de Bollaert. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors-jeu pour Pironi, pas pour Dindan. Exceptionnel, Aruna Dindan. Ça fait 3-2 pour le Racing Club de Lens. Ce match a totalement basculé. Il n'est peut-être pas terminé. Passif de Pironi. Ouais, exactement, mais regardez la passe décisive de la part de Rougnier. Il met tout ce qu'il a en cette fin de match. Une cacahuète en l'air ensuite. Qu'est-ce que c'est bien. Il se retourne, Dindan, il en profite. Il résiste et après on déséquilibre du pichenette du bout du pied. Il lobe le gardien stéphanois Jérémy Jeannot. Ouais. Il résiste encore au contact avec les défenseurs. Ça vient lécher le dessous de la barre transversale. Mais que cette action au niveau arbitral est très 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 particulière. Regardez, effectivement Dindan joue le ballon. Le joueur lensois Pironi ne le joue pas.